Salut, moi c'est Coralie, j'ai 22 ans et je suis migraineuse. Alors ma première crise, je l'ai eue quand j'avais 13 ans, j'ai fini aux urgences, on m'a fait une IRM et comme tout était normal, on a cru que je m'étais droguée. Donc je suis restée hospitalisée pendant 10 jours parce que c'était une crise qui ne s'arrêtait pas. On m'a dit que c'était émotionnel, on m'a forcé à voir un psychologue qui est venu dans ma chambre. Puis après ça, ben, je suis rentrée chez moi comme ça, sans rien, sans traitement, sans conseil, sans... comme ça, au revoir et puis voilà. Alors moi, personnellement, j'ai jamais eu de prise en charge ni de traitement parce qu'on m'a jamais conseillé quoi que ce soit, ni de traitement. Si, enfin, il y en a eu un qu'on a conseillé à ma mère. Bon, à l'époque, j'étais mineure. Et on a vu dans les effets secondaires. Donc, non seulement il y avait des effets secondaires très désagréables, mais il y en avait aussi deux qui étaient plutôt graves. Où ma mère a refusé que je les prenne parce que à 20 ans, en fait, j'aurais terminé avec la maladie de Parkinson ou même d'Alzheimer précoce. Donc, j'ai pris l'habitude de ne pas prendre de traitement. Alors il y a des périodes mieux que d'autres. Souvent pendant les périodes d'angoisse ou de fatigue intense, mes crises elles sont un peu plus rapprochées et un peu plus intenses. Par exemple quand j'ai un emploi, j'ai plus d'angoisse de faire une crise parce que j'ai peur de faire une mauvaise impression à mon employeur. Du coup ça loupe pas, je fais encore plus de crises. Et pareil pendant mes grossesses, ma grossesse a fait que j'avais beaucoup de crises de migraine pendant ma grossesse. Voilà, donc parfois il m'arrive d'avoir une crise de migraine par semaine pendant les périodes difficiles de stress, d'angoisse ou des périodes où je dois surtout pas faire de crise de migraine, vu que ça m'angoisse, et ben j'en fais. Alors actuellement je suis mère au foyer mais j'aimerais bien retravailler quand mon fils retournera à l'école. Mais ça m'angoisse un peu parce que je sais pas comment aborder le sujet au travail. Vu les reproches de mon ancien employeur sur mes absences, j'ai un peu peur d'aborder le sujet et de passer pour quelqu'un de pas sérieux alors que j'ai très envie de travailler quoi.